Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais tout au long de ma journée. Et ça commence le matin. En général, je me réveille naturellement vers 8h. Ensuite, je fais des trucs que vous allez pas voir, bande de petits curieux. Et juste après, je vais prendre mon petit déjeuner que vous avez pu voir, une petite cinématique. Et là, c'est ma pause café. Il est 9h. J'ai fait la miniature ce matin là des 2 mois de transformation physique. D'ailleurs, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Là, je vais finir le montage de la vidéo et la programmer pour cet après-midi. Le programme de la journée, sinon, ce sera d'aller s'entraîner. Aujourd'hui, c'est dos et biceps. Donc je pars en général à 10h30. Cet après-midi, je vais tourner quelques TikTok, les monter pour avoir un peu d'avance sur les jours qui viennent. Et je vais aller courir parce que regardez la lumière, regardez comme il fait beau. Ce serait un crime de ne pas profiter de cette météo. Donc moi, je vais prendre mon café, continuer le montage, programmer la vidéo et on se retrouve après. Je suis en train d'essayer de choisir le titre pour la vidéo de transformation physique là au bout de 2 mois. Franchement, c'est chaud parce qu'on sait tous que le titre ça joue énormément. C'est super important dans le référencement de la vidéo, etc. Putain, j'ai le soleil dans les yeux, je vais changer. Attends. On sait tous que le titre c'est super important dans le référencement de la vidéo, mais c'est dur de trouver un titre bien concis qui fait comprendre exactement ce qui va se passer dans la vidéo. C'est galère. Mais là, j'ai fini le montage de la vidéo de transformation, justement, et je suis super content parce que je pense que c'est le meilleur montage que j'ai fait jusqu'à présent, étant donné que c'est vraiment beaucoup plus dynamique que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Avant, c'était un peu lent, etc. Maintenant, là, j'ai mis des sons, etc. Ça y est, je pense que j'ai trouvé un titre. J'ai demandé à un pote et on s'est mis d'accord, c'est bien. De toute façon, vous allez voir. Je sais pas si c'est exactement ça, mais pour l'instant, on pense à « J'étais faible et skinny, il fallait que ça change. » Merde. Tellement important. C'est fou le seum d'avoir travaillé pour une vidéo et qu'elle marche pas, honnêtement. Hein. Quand t'es un petit là comme moi je suis, ça fout le seum quand t'as mis je sais pas genre 10 heures dans une vidéo et qu'elle fait 20 vues, parfois elle fait 20 vues, ça fout un peu le seum. Donc là faut trouver le meilleur titre, la meilleure miniature. Je sais pas vous, moi je détestais le café avant, vraiment détestais, genre j'en avais jamais bu jusqu'à mes genre 19 ans. Et il y a, au début de l'été j'ai commencé à en prendre un, ça m'a littéralement retourné le cerveau parce que j'étais bourré de café. Genre j'étais vraiment hilar d'avoir pris un café, les effets ils étaient incroyables et j'ai fait ça. Pardon pour le son. Et j'ai fait ça juste avant d'aller faire une séance jambes. Incroyable, j'avais tellement d'énergie. Et du coup, en fait, maintenant, je suis addict. Voilà, confession. Je suis littéralement addict au café. J'en prends 2-3 par jour. C'est trop, hein. Je pense que c'est trop. J'en prends pas l'après-midi. Enfin, j'en prends juste après manger, mais pas l'après-midi. Parce que sinon, je ne dors pas, littéralement. Mais je pense que je suis addict au café. Et pourtant, ils ont une bonne petite tête, hein. Ils ont pas l'air si méchants. Ils ont pas l'air si méchants, mais ils te rendent addict, ces petits enculés. Pardon, je sais pas si on peut dire ça. Je retire. Je jette. Là-bas. Il va pas revenir. Ça y est, j'ai programmé la vidéo de transformation. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Hein. Je l'aurais mis quelque part de toute façon. Ou sinon, je la mets maintenant. Peut-être maintenant, on sait jamais. Il est 9h45. Je vais partir vers 10h30 au sport pour ma séance dos biceps. Mais avant, je vous ai dit, je suis addict. Donc, je vais reprendre un café. D'ailleurs, j'ai appris un truc. Apparemment, le collagène, ça se mélange bien au café. Parce que le collagène avec de l'eau, c'est infâme. Littéralement infâme. Mais avec le café, ça perd pas ses nutriments, ses valeurs nutritives, tout ça. Donc je mets dedans, ça gâche un peu le café. Ouais, ça gâche un peu le café, mais c'est pas grave. C'est beaucoup mieux qu'avec de l'eau. Donc si vous ne faites pas, faites. Là les gars, c'était clairement l'exemple d'une séance que t'as zéro envie de faire. Mais c'est fait et je me sens super bien. Déjà je me sens bien parce que je l'ai fait alors que j'avais pas envie de le faire. Je me rapproche de mon objectif et puis même le sport ça te fait te sentir bien bien vraiment bien après. Là je suis zen mais j'ai la dalle et je vais vous montrer justement ce que je mange. Vous êtes prêts les gars, ça va être miam 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 miam. Et voilà les gars, le festin, du poulet, des patates et des tomates. Je sais pas si je suis le seul mais le fait de manger des patates me procure un plaisir mais... vraiment bizarre, presque bizarre. C'est, j'en mange tous les jours déjà, minimum 500 grammes par jour, je rigole même pas. Hein. J'ai mes petits sachets de 500 grammes, je les mets au micro-ondes, ensuite je les fais revenir à la poêle. Tous les jours, minimum une fois par jour, donc 500 grammes par jour. Le fait de croquer dans une patate, patate, pomme de terre,
pour ceux qui ne savent pas, ou pour les gens normaux qui disent pommes de terre et pas les beaufs qui disent patates, c'est vraiment incroyable. C'est une des meilleures sensations de la vie, pour moi en tout cas, et c'est un de mes plats préférés, clairement. Je vais manger là devant un petit truc, et cet après-midi, le programme, c'est faire minimum de TikTok, j'essaye, aller courir, et ce soir, je vais voir des potes. Bon appétit à moi, et à vous aussi si vous mangez. Voilà les gars, premier TikTok de l'après-midi fini. C'est le teaser en gros de ma transformation physique. Il est 15h là actuellement. Je vais prendre ça mec, c'est tellement bon ça par contre. En fait c'est horrible parce que... C'est horrible parce qu'on sait que c'est mauvais pour la santé. Mais c'est tellement bon que... On prend quand même. Dites-moi d'ailleurs votre goût préféré. Moi, c'est pas lui, c'est le blanc. Je sais pas comment il s'appelle, un truc paradis. Logique, hein, que ce soit mon favori ici, c'est au paradis. Donc là, il est 15h, j'ai fini le premier TikTok et je vais en faire un deuxième. Vous verrez bientôt. Ah non, vous avez déjà vu en fait. Vous l'avez déjà vu. Ensuite, je vais prendre mon goûter, tranquillou bilou, et je vais aller courir en fin de journée. Et puis ce soir, comme je vous ai dit, je vais aller voir des potes. Donc je vous lâcherai à ce moment-là. Je suis désolé. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, ça c'est clair et net. Mais surtout, je savais pas que je pouvais travailler comme ça. En cours, quand j'étais encore à l'école, d'ailleurs, si vous avez pas vu ma vidéo, dit que j'ai quitté l'école, allez la voir. Quand j'étais encore à l'école, depuis le début de ma scolarité, que ce soit collège, lycée, études supérieures, je ne savais pas que je savais travailler parce que dès que je me mettais à travailler, ça m'intéressait pas. Et donc, du coup, je m'y mettais pas pleinement du tout. Et je passais à côté de mon potentiel de travail qui, franchement, est bien parce que je peux travailler genre 4-5 heures d'affilée, là, des petites pauses, hein, mais 4-5 heures d'affilée sur un même truc. Avec ma concentration dédiée totalement à un truc et je savais vraiment pas. Et ça, ça aide, hein, j'avoue, je vais pas mentir. Ça aide. Je vous montre mon goûter. C'est une glace. En partie, hein, y a plus qu'une glace. Y a tellement de trucs. Et je me suis fait attaquer. Et ensuite, on va courir. À toutes les gars. Voilà mon goûter, les gars. Comme d'hab, flocon d'avoine, fromage blanc, clémentine, kiwi. Ça, mon dieu, est-ce que c'est bon. Cookie, chocolate chip, c'est vraiment très très bon. Ça, si vous en trouvez pas, moi j'en trouve que chez Monoprix. Donc allez chez Monoprix et c'est une tuerie vraiment. Et voilà, je suis encore en train de travailler sur le TikTok, un deuxième TikTok. C'est sorti, logiquement c'est sorti, oui c'est sorti, évidemment que c'est sorti. Et voilà, je continue, je mange ça et ensuite on va aller courir. Les gars, je vous fais l'outro ici, regardez comme c'est beau. Voilà, je suis nul en caméra. Mais je suis à la campagne ce week-end. Cette semaine, c'était une vidéo assez courte parce que j'ai pas trop eu le temps de filmer. J'étais un peu occupé. Mais je reviens vite et fort, surtout la semaine prochaine, avec deux vidéos qui vont grave vous plaire. Je pense surtout une qui va sortir mercredi ou jeudi. Donc, si le contenu vous plaît et que vous êtes pressé de voir la prochaine vidéo, abonnez-vous, likez et commentez. C'est comme ça que vous pouvez soutenir de la meilleure des façons la chaîne. Sur ce, moi, je vous laisse avec quelques images de la magnifique campagne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour deux vidéos toujours plus fort, plus proche de Spider-Man. Et d'ici là, il n'y a plus qu'à. Wow.